On est parti directement en dynamique. D'habitude, je passe par confort, mais bon, puisque c'est là, tu as l'habitude. Hein. Attention à ces petits coups de volant. Ça glissait un peu. Non, 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 c'est bon. Là, là, ça glissait ce matin, là, maintenant c'est bon. De toute manière, vu que les assistances sont connectées, elle va corriger pour toi. C'est pas la peine de faire des corrections au volant. Focalise-toi bien sur le devant. Bien regarder loin. Projection du regard. On débraque. Et on attend d'avoir les roues droites pour accélérer à fond. Oui, de dissocier ton freinage du rétrogradage. Là, dès que tu mets le pied sur la pédale, tu rétrogrades en même temps. Freine d'abord et après tu rétrogrades. Okay. On ne se sert pas du frein moteur en circuit. Autant sur la route on peut, mais en circuit on freine avec le frein et après on rétrograde pour adapter le rapport à la réaccélération. Mais on ne freine pas avec le frein. Je freine. Et là, je et maintenant tu rétrogrades 4 et 3. Voilà. Okay. C'est vraiment. Mais je maintiens cette dose de freinage quand même. Oui, c'est parfait. Mais c'est, tu freines avec les freins. On ne se sert pas du, du frein moteur pour ralentir la voiture. D'accord. Là, c'est en 3. Tout l'enchaînement DS bleu, ça se fait en 3. C'est bon. Alors attention, c'est que ce genre de voiture, tu vois le petit à-coup que tu as donné à l'accélérateur. Ouais. Chaque fois, ça fait des ruptures d'équilibre. C'est super sensible. Hein. Ah ben. J'ai eu la RS6 et la RS3. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je vais filmer dans la ligne droite des stands. Allez. Spécialiste en vidéo, donc c'est pour ça. Ah ouais. C'est bien, là, c'est propre. Attention, il y a un petit peu plus vite que toi derrière. On va le rouler. Je ne suis pas là, mais non, ça, ça. En général, à partir du moment où il revient, ça veut normalement dire qu'il est un peu plus vite, mais bon. Des stands avec toi là. Non, c'est stabilisé, t'inquiète pas.
Mais en fait, en deux tours, ça y est déjà. Juste sur une ligne droite. Voilà. Maintenant, t'es en mode perfo. Perfo. Et là, je fais quoi? Drag. Accélère, tu vois la différence. On va encore se passer des choses. Ah ouais. Au moins, je le mets à personne, ça. Hein. Tu dis rien. Je suis comme un gamin. Vas-y. Et là, tu vas pouvoir accélérer. Mets-toi en deuxième. Et monte tous tes rapports, là. Vas-y. Allez, envoie tout. Droite et t'envoie tout, là. Allez. 8005. Non, c'est 8000, ça. 8005. Quel kiff! Ah ouais, ça change la voiture quand même. Vas-y, vas-y, accélère. Allez. Ça change tout, ça change toutes les lois de fonctionnement du moteur, de la boîte, de la transmission. Donc vraiment, la voiture, elle devient. Là, je relâche un peu le. Ouais, on rentre tranquillement là. Oh là là. Oui, avec mais... le frein céramique, c'est pas. Attends, je reste bien à droite, il y a une voiture derrière. Avec ce, avec ces freins-là, c'est pas vraiment nécessaire de faire un vrai tour de décélération. Hein. Ah ouais? D'accord. Donc, je fais des baptêmes, hier j'ai fait des baptêmes toute la journée. Ça tient. Ah ouais, donc elle est vraiment faite pour le circuit sans problème. Quoi. Et surtout, elle roule plus vite que tout ce qui bouge. 458 spécial, on les met dans le vent. Les McLaren, on les met dans le vent. Les 91 GT3 RS, on les met dans le vent. Voilà.